contact. C'est parti. Salut Jim Chris. Salut Andrea, ça va? Ça va bien et toi? Ouais, très bien. Alors ravi d'être là ce soir en ma compagnie. Exactement, ta compagnie, puis en compagnie de toute l'équipe de contact et des artistes qui sont là ce soir. Alors qu'est-ce que tu nous prépares? Alors je prépare un set avec des exclus, des bootlegs maison et des sons que j'affectionne particulièrement voilà, pour un show d'une heure. Pour un show d'une heure. Alors on a entendu pas mal Self Control, qui est une reprise, un son assez vocal, c'est surprenant. Alors pourquoi cette reprise et pourquoi en fait? Comment tu l'as fait? Alors pourquoi cette reprise? Parce que c'est déjà j'ai des influences rock des années 80 et c'est vrai que quand j'ai réécouté un petit peu ce titre là, j'ai eu envie de le remixer tout simplement. Puis ensuite il y a eu le buzz, on a clearé, on a obtenu les droits pour le sortir, je l'ai retravaillé et c'est devenu le Self Control. Et c'est vrai que avant en tout cas ce titre-là, je mettais pas beaucoup de vocales dans mes titres. Et puis finalement, bah, celui-là m'a permis de franchir un cap et de toucher encore d'autres auditeurs. Donc franchir un cap, ça veut dire que tu vas poursuivre dans cette voie-là, dans quelque chose de plus vocal, de plus, et puis même dans plus de reprises aussi. Alors les reprises non, parce que je veux pas rentrer vraiment dans le stéréotype du DJ producteur qui sample à tout va. Donc les reprises, on va s'arrêter là. D'ailleurs, j'arrive avec un prochain titre qui ne sera pas une reprise. Pour les vocales, oui et non. Alors les productions, ce sera beaucoup des vocales pour continuer à toucher un large public. Mais par contre, au niveau des remixes, j'ai un petit peu envie de me spécialiser sur un son beaucoup plus, on va dire, international. C'est-à-dire tourner vers l'électro house et la progressive musique. Alors justement, tu nous parlais de surprises, de nouveaux titres. Tu peux nous en dire plus, un petit scoop pour Contact? Il paraît que tu es en préparation d'un titre, justement. Exactement, je suis en pleine préparation de mon titre du prochain qui s'appelle Change the World, qui sera le troisième single chez DJ Center, avec tout plein de remixes, dont un remix de Chris Ortega, qui est connu à l'international. Je ne sais pas si tu connais, mais... Bien sûr. Monteuse. Si, je connais. Et donc voilà, donc ce titre, l'équipe de Contact le connaît déjà un petit peu. On a de très très bons retours. Et je pense que ça va le faire, mais bon, rien n'est acquis. Et bon, j'essaie de travailler dur pour que ça plaise à tout le monde. Merci Dim Chris. Merci beaucoup. Et je compte sur toi pour écouter le show tout à l'heure. Bah, évidemment.